Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 46e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Alandra 2. Dans l'épisode précédent, on était dans l'étoile. On a eu un petit game over, c'est pas facile ce truc là, enfin cette zone là, on se fait attaquer par des monstres qui nous mettent du 200 points de dégâts à chaque fois. On a récupéré deux clés et là on va pouvoir avancer. Flint a utilisé une clé. Flint a utilisé une deuxième clé. Allez Flint. Ok, donc là, il y a un ascenseur. Oh là là, j'ai perdu 5 minutes à me soigner, à attendre que ça remonte pour avoir un point de sauvegarde et un truc de soin ici. Bon, après, il faut toujours. À la limite, j'ai préféré quand même assurer. Parce que je serais arrivé là, je serais mort. Je m'en serais voulu. Au moins là, j'ai pas de. Ça énerve un petit peu, mais. Faut le prendre avec philosophie. Comme le disait si bien Melbent. Désolé, on a les références qu'on a. Non, je peux pas le faire parce que j'ai trop d'objets. Retirer de la poche. Non. Allez. Petite cinématique. Je crois que Zeppo a un problème. Flint, ça fait plaisir de te revoir. Bienvenue à la clé de l'étoile, Flint. Comme c'est gentil à vous de passer. Malheureusement, je suis assez occupé. Voyez-vous, j'étais en train de préparer l'invasion de votre planète. Mais puisque vous êtes ici, pourquoi ne pas en profiter ? Votre gros compagnon ici présent ferait un jouet tout à fait intéressant. Je suis vraiment débordé aujourd'hui. Je dois reprendre le travail. Amusez-vous bien. Ok, bon bah, affrontons Zeppo. Hein. Il est quand même très moche. Puis j'ai pas d'astuce pour le battre. Aïe. Thank you.
On va essayer d'analyser un petit peu s'il y a une phase où... Je pense qu'il s'est pris un objet sur la tête et j'ai pu le taper. Allez, comme ça. Comme moi, ce que je me suis pris. Mais... un petit peu trop éloigné. Quand il lance ses trucs orange, je peux le taper. Quand il lance ses trucs jaunes, je peux pas le taper. Ok, donc là il a la tête qui tourne, j'ai le temps. Ok, deuxième phase. Ok, j'étais pas préparé à ça. J'étais pas préparé à la charge. Le combat fait rage, hein. Je vais en utiliser un. Ok, on l'a battu. Zeppo était pas dur. Merci pour le GG, Naoto. Par contre, ouais, le fait de pas avoir le bouclier ultime du jeu, ça, je prends beaucoup de dégâts, quoi. Je peux aller sauvegarder et me soigner ou... Ça aurait été trop beau.
Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux vous faire une petite ellipse YouTube. On se retrouve tout de suite. Re-YouTube, on est soigné. Donc on ne peut pas sortir d'ici. Le truc de soin, je vais le retirer parce que j'en ai pas besoin. On va remettre l'anneau pour faire un petit poil plus de dégâts. Et parlons à Zeppo. Flint, il faut que je te le dise, tu manies cette épée comme un chef. Merci. Bon bah... Qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé la porte, bon rien reste que ça. Entrée mot de passe. Bah... Ouvre-toi. Ouvre tout de suite, s'il te plaît. Madame la porte, auras-tu l'amabilité de bien vouloir t'ouvrir? Flint, laisse-moi essayer. Laisse-moi voir. Que penses-tu de ça? Les pirates sont les meilleurs. Ah, Zeppo le Grand. Ah. Quelque chose ne va pas, ce truc est stupide, cassé. Ils ont tout cassé. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Vous voyez bien, comme je l'avais prévu. Hein? C'est malin pour contrecarrer mes plans. Je pense qu'en note artistique, 8 saltos arrière en gymnastique, ça va être pas trop mal quand même. Mais bon, ça c'est cassé, la porte est ouverte. J'avais même pas remarqué qu'il y avait une porte là. Par contre, est-ce que la porte d'en face est ouverte ou pas? Parce que j'ai presque envie d'aller me chercher des objets de soins, mais je pense que là ça va être fermé. Allez, virons Dragonia.
Alors je sais pas si j'aurai tous les combats à refaire, mais il faudra quoi que. Non, allez, allez, soyons fous. J'ai, il manque que des herbes, je vais pas m'embêter à retourner en ville pour acheter des herbes. J'ai des toniques, j'ai des élixirs, j'ai des panacées. Malheureusement, Flint, vous arrivez trop tard. J'ai déjà entré les coordonnées. Personne ne peut plus arrêter la clé de l'étoile. Tout ce qu'il vous reste à faire, pauvres humains, est d'assister à la métamorphose de votre chère planète en enfer. Mais d'ici là, je vais prendre plaisir à vous tuer lentement de mes propres mains. Et croyez-moi, jeune Flint, avant que j'en ai terminé, vous me supplierez de vous achever pour mettre fin à vos souffrances. Ah oui, ça c'est pas cool par contre. Bon, je pense que c'est trop simple, il est pas mort. Croyez-vous vraiment pouvoir me vaincre si facilement? Permettez-moi de vous montrer quelque chose qui devrait vous intéresser. Lève-toi!
Bon, là, je sais ce qu'il faut faire. Aïe. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas se prendre de dégâts. Ah, mais là, c'est du troll, parce que je suis à peine relevé que je me fais attaquer. Bref. La papate, allez noir. Allez, tape-le s'il te plaît. Flint, il veut pas taper. Bah, tiens, par contre, à la limite, si j'essaye la mana. Sait-on jamais. Bon, après, ce serait peut-être trop simple si on pouvait utiliser la mana pour le vaincre. Mais... J'ai pas compris. Ouais, je suppose qu'il fallait que je monte sur un des piliers. On va aller taper les patounes arrière.
Je comprends pas là, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait mal. Ça fait mal. Un petit dégât de plus. Ah, jusqu'à présent il tirait pas la langue, mais là il a tiré la langue. Ouais, c'est ce que je pensais faire, mais non, mais apparemment c'est bon. Il fallait lui taper les petites pattes. Bon, est-ce qu'il est mort ou... Il a pas l'air en forme en tout cas. Allez assister à mon plus grand tour de magie. Là, au final, je comprends pas l'intérêt qu'avaient les piliers dans le combat. Cette fois, je vais désarticuler ton corps, membre par membre, et me régaler de ton âme agonisante. Bon, il y a des mains. Par contre, monsieur Mephisto, faut peut-être à un moment donné lâcher prise, quoi. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Le plan doit être exécuté. Détruire tous les obstacles. Détruire tous les obstacles. Ok, bon, bah, troisième transformation. La première était pas dure. La deuxième, ça allait aussi. Je voulais voir si la magie, ça marche. Je ne pense pas, bien entendu. Parce
que si la magie ça marche. Non, ça marche pas. Aïe. On se soigne. Aïe, ça c'est pas grave. Voilà, j'y vais un peu en mode bourrin. Un peu bête par contre. Les grosses attaques, le copain, ils sont parlé parce qu'il est pas notre ami. Ah, ça te fait rire. C'est un peu relou. J'ai même pas le temps d'esquiver quoi. Ok, je peux lui mettre que deux coups. Heureusement que j'ai un paquet d'objets de soins. Ça c'est relou parce que je peux rien faire en fait, je vois pas quoi, ce que je peux faire pour les esquiver. Et je me fais dégommer par les mains. Fait pas de cadeau en tout cas comme boss.
Alors je sais pas s'il faut le taper beaucoup de fois, combien il y a de points de vie, etc. Mais on galère un peu quand même. Aïe. Je voulais essayer de faire une feinte, mais là, il me laisse pas l'occasion les mains. Ça, je comprends pas comment l'esquiver. Ouais, cette attaque là je sais pas, mais aïe, j'aurais dû continuer un petit peu vers l'avant. Mephisto, faut mourir à un moment donné. Je veux bien que tu sois le boss de fin, mais... Je sais pas combien de dégâts je lui ai infligé, mais quand même pas mal. Avec quasiment tous mes objets de son. J'ai esquivé, je sais pas comment. Allez, arrive, allez. Aïe. Faut que je prenne moins de dégâts que ça. Je pense qu'il ne doit plus rester grand chose, mais...
Mais là, t'as craqué. Allez, Flint. Mais non, mais là, je... Elle me fait des attaques qui me faisaient pas. Oh, j'aurais dû attendre avant de me sauver. Mais sinon, à un moment donné, je peux t'attaquer ou... Ça se passe comment? Je peux pas l'attaquer, c'est... Là, je me suis fait enchaîner. J'aurais dû passer sous la main. On va peut-être le faire comme ça. J'ai clairement pas envie de me retaper tout le combat. Parce que je pourrais peut-être pas quand même. À un moment donné, il va falloir que j'aille manger aussi. Aïe. Allez, Mephisto, faut mourir. On a assez combattu tous les deux. T'as été un adversaire coriace, mais à un moment donné, faut s'avouer vaincu. Il veut pas. Non, Ryu, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de te prendre un dégât bêtement en sautant sur le truc. Et bah, dis donc, sacré boss de fin quand même. Hein. Je pense que là, j'ai plus ou moins une technique qui passe à peu près. Mais il veut pas quoi. Aïe. Ok, on l'a battu. Pouf. Et bah dis donc les amis, ce Mephisto, il nous aura pas laissé de répit. Que vous m'avez eu, mais la clé continue à tourner. Merci. Ouais, c'était pas facile, hein. J'ai cramé vraiment tous mes objets de soins quasiment. Bon, certains que j'ai utilisés trop tôt, mais... Bon, YouTube, par contre, je suis désolé, ça va vous faire un épisode super long quand vous verrez la rediffusion, et je m'en excuse. Ok, bon, je crois qu'il faut que je me casse par là. Mécanisme de contrôle central détruit. Perte d'altitude, 53 secondes avant impact. Ok, donc il me reste 3 minutes pour me barrer de là. Aïe.
écouter ça petite. Par contre c'est stressant là parce que je me dis il me reste 2 minutes et merde. Ouais, ça craint, ça craint, ça craint. Non mais c'est pas possible. Par où est-ce qu'il faut que je sorte? Et eh bah ben dis donc. C'est stressant les 3 minutes là. Qu'est-ce qui te surprend, fiston? Le vieux pirate est coriace, hein? Ne sous-estime jamais le vieux épaule. Bon, on en a vraiment fini avec ce sinistre sorcier cette fois? À la bonne heure! Tu as réussi, Flint!
pas, il vous en a fallu du temps. Un petit bisou pour la fin. Oh, c'est mignon. Ruby qui est jalouse parce qu'elle était amoureuse de Flint. Et nos ennemis du début qui sont devenus nos alliés. Et on a enfin fini Alondra 2. Et ouais Naka, c'est fini. Il était temps. Bon, c'est sympa quand même, c'est pas la catastrophe à laquelle je m'attendais, mais non, franchement ça va. Tu vois, je reviendrai pas dessus non plus. Mais faut pas le... C'est pas aussi mauvais que qu'on pouvait penser. Mais par contre, ça a clairement rien à voir avec Alondra 1, pour lequel, lui pour lequel je reviens dessus régulièrement. Donc merci Clem pour les GG. Et merci Naka pour le GG aussi. Oh, le boss de fin, le calvaire. J'ai cru que j'allais devoir recommencer plus quand j'ai vu les 3 minutes là pour fuir.
Puis je me dis, mais merde, comment, dans quel sens faut faire tourner les panneaux, mais... Ben ça va, il y a le temps quand même, mais ça met la pression. Ce que tu te dis, tu foires les 3 minutes, tu dois recommencer le boss de fin et tout. Ça motive pas trop quand même. Merci Chouchourou pour le GG. Bon, bah maintenant il reste à Mamir de le poursuivre et de le finir. Par contre, les personnages du jeu, ils ont été idiots parce qu'ils ont fait confiance à un sorcier tout vert qui sort de nulle part, alors que dans le reste du monde, il n'y a que des humains. Je sais pas moi si j'ai le démon Piccolo qui vient me voir, je lui fais pas confiance. Hein. Je sais pas si tu vas te coucher, Chouchourou, mais en tout cas, si tu vas, je te souhaite une bonne nuit. Oh, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes que ça qui l'ont fini, mais. Ouais, après, ce que je disais tout à l'heure, côté négatif, c'est tout ce qui est phase de plateforme et les graphismes. Enfin, ça, c'est les gros défauts du jeu. Après, les mini-jeux aussi qui sont. Il y en a plein, mais c'est pas facile. Et tout ce qui est objet bah pour faire le 100%, c'est. Farmer, ça m'intéresse pas. À la limite, si tu joues sur émulateur avec des save states, etc., c'est. Qu'est-ce que j'ai préféré? Les mini-jeux, il y avait pas mal de variétés. Bon, l'histoire, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est. Et l'histoire n'a pas grand chose à raconter. Alexia, elle est insupportable. Les pirates étaient sympas. Le doublage est sympa quand même pour l'époque. Avec une petite touche humoristique. Après, le jeu en soi, je t'avoue que c'est pas une catastrophe, mais je retiens rien de spécial non plus. Quoi. Les musiques, les bandes-son sont cool. La durée de vie est pas mal aussi. Moi je suis pas bon, donc du coup j'ai mis 35 heures, 36 heures, mais. Après, non, le. La jouabilité, c'est pas terrible non plus. Enfin, tu vois, truc con, hein, t'as des herbes dans le village, t'as une épée, tu peux pas couper les herbes avec ton épée, t'es obligé de faire des tacles, mais. Après, c'est du détail, mais. Il n'y a pas un truc vraiment qui ressort du lot du jeu quand même. En étant honnête. Ouais, la musique est sympa, mais. Mais après, ouais, tout ce qui est gameplay, etc., c'est pas folichon. Et c'est la fin. Tu vois, autant à Alandra 1, tu peux dire le scénario, les donjons, etc., sont cool. Là, ouais. Les donjons, certains c'est calvaire quand même. Enfin, t'as pas un côté fun, agréable comme tu peux avoir dans le 1. Même si l'univers du 1 est sombre, les donjons ils ont tous leurs particularités, etc. Alors que là tu retrouves plus ou moins la même mécanique à chaque fois. Donc, bon, bah mon objectif du stream est accompli. Alors je sais pas s'il y a quelque chose après l'écran de fin, mais
Est-ce qu'on gagne à l'euro million quand on a fini à l'endroit 2? Non, ils nous remettent la page d'accueil tout simplement. Je vais juste aller dans le menu options parce que sinon ça va remettre la cinématique d'introduction, etc. Au début. Bah YouTube, on va s'arrêter là pour ce jeu. Bien entendu, vous aurez compris que c'est terminé. Pour Twitch, enfin pour les prochains live Twitch, pour ce YouTube, ceux qui nous rejoindront, on sera sur Pokémon Earth Gold si tout va bien, si j'arrive à paramétrer tout ça. Donc YouTube, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne en tout cas, peu importe le jeu. Et bah, d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!